armes chimiques sont presque épuisées, mais je pense pouvoir encore les suivre. C'est pire n'est pas naturel. Est-ce que c'est une statue ? Les chercheurs n'ont même pas emporté leurs outils. Les dieux se penchent sur nous, en nous. Les dieux m'ont désigné comme leur apôtre. Les combinaisons sont toutes lacérées. De rituel, un symbole occulte. Je ferais mieux de montrer ça à Monsieur Throgmorton. Sainte Mahère, sois nos yeux. Aide-nous à voir les astres lointains. Écoutez, il arrive, le porteur de la splendeur, le béni, lui au ventre plein. Prends-moi, refaçonne-moi, je t'en supplie. Le porteur de quoi? À qui parlez-vous? Que s'est-il passé? Nos yeux, le premier, le deuxième, le troisième, tous ouverts par l'aura. Tu vois tant, et pourtant la splendide coquille t'échappe. Celle de la Vierge Blanche qui dort ici-bas. Arrête avec tes foutaises insensées. Réponds à la question. Insensé? Mais c'est le sens qui est insensé. Ouvre ton esprit. Marche. Écoute. Et prie. Éveille-toi, ô ver sacré. Empare-toi de sa peau et de son crâne. Accepte mes prières et accorde-moi ta bonté. Je t'en conjure. Un artefact en parfait état. C'était donc ça qu'il vénérait. Un artefact en parfait état. C'était donc ça qu'il vénérait. Ignorez-les. Prenez la graine et le seau, maintenant! Parquet... Que... ça frissonne, ça... Non! Ne vous approchez pas de moi! On entrera dans le temple dès qu'ils auront pris la clé sceau. Préparez-vous à esquinter leur scaphandre. Je pense que je commence à comprendre. On entrera dans le temple dès qu'ils auront pris la clé sceau. Préparez-vous à esquinter leur scaphandre. Parquet... Que... ça frissonne, ça... Non! Ne vous approchez pas de moi! Ignorez-les. Prenez la graine et le seau, maintenant! Les membres de l'expédition ont découvert un artefact qui les a rendus fous. Puis les gens d'Innsmouth l'ont volé et ont enlevé la professeure. J'en prends et j'en prends, mais les visions reviennent toujours. Le croque-mort a fait du bon boulot. Mauvaise nouvelle, monsieur Throgmorton. Les membres de l'expédition sont morts. Et les gens d'Innsmouth ont enlevé la professeure. Ces vermines osent s'opposer à moi. Votre expédition a découvert quelque chose au fond des ruines. Les habitants d'Innsmouth le voulaient à tout prix. Ils ont capturé la professeure Dao et se sont emparés de l'artefact qu'elle portait. Artefact? Quel artefact? Où les avez-vous trouvés? Parlez, bon sang! Vos hommes sont tombés sur une sorte de temple sous-marin. Il contenait un artefact. Les habitants d'Innsmouth l'appellent le sceau. Ils ont tendu une embuscade aux membres de l'expédition. Dès que l'artefact a été découvert, ils ont frappé et se sont enfuis avec la professeure Dao et le sceau. Comment sont-ils parvenus à les prendre par surprise? Apparemment, vos hommes ont perdu tous leurs moyens dès qu'ils se sont emparés de l'artefact. Une sorte de folie collective. Les gens d'Innsmouth s'y attendaient sûrement, et ont simplement frappé au bon moment. Ils savaient ce qui allait se passer? C'est impensable. Mais une seconde. Comment savez-vous qu'ils étaient d'Innsmouth? L'un des assaillants a été tué par un membre de l'expédition. J'ai une photo. Mon expédition a échoué. Mon fils a été tué. Cette histoire n'est plus personnelle, monsieur Reed. Tout le monde est en danger. Ils ont Harriet, ainsi que l'artefact qu'elle a découvert. Mais elle est peut-être encore en vie. C'est bien pour ça que je n'ai pas encore éradiqué ces gueules de poissons. Mais nous n'allons pas rester les bras croisés. Trouvez-les, monsieur Reed. Pas les sbires, mais leur chef. Infiltrez leur rang s'il le faut. Ramenez-moi ma professeure. J'enquête sur la folie, pas sur la politique et les luttes de pouvoir. Certes. Et votre meilleure source d'information se trouve actuellement entre les mains poisseuses de ces gens d'Innsmouth. La professeure Dao a partagé les visions. Elle a découvert quelque chose à l'intérieur de ces ruines. Et la voilà prisonnière. Elle détient des informations cruciales, c'est certain. Il y avait également une affaire plus délicate, au sujet de laquelle je souhaitais vous parler, monsieur Reed. La délicatesse est ma spécialité. Je vous écoute. J'ai un collègue, comme qui dirait. Un dénommé Herbert Glover, qui lui aussi collectionne les œuvres d'art. Je suis détective, monsieur Throgmorton, pas cambrioleur. Vos sous-entendus ne me plaisent guère, monsieur Reed. Je n'aurai jamais la bassesse d'embaucher un voleur. Herbert et moi-même étions censés nous rejoindre. Un rendez-vous d'une importance capitale, dirons-nous. Mais il n'est jamais venu. Je veux savoir pourquoi. C'est pas bien compliqué. Je m'en charge. Très bien, monsieur Reed. Un dernier détail, cela dit. Tout ceci doit rester confidentiel. Dans aucun cas, vous ne devez révéler mon identité à qui que ce soit. Motus et bouche cousue, monsieur Throgmorton. C'est cela. Voici l'adresse de Herbert, ainsi qu'une avance pour l'enquête. Je pense que vous jugerez la somme raisonnable. Bonne journée.